Bonjour à tous, c'est Matt du Manafé. Donc aujourd'hui, donc ce matin, on va aller semer tout simplement. Je vais aller mettre celui-là à semer et je vais prendre le pick-up derrière moi. Je vais aller chercher le pick-up, tiens. Mon volant qui fout toujours la merde. Le pick-up. Alors, je vais mettre, vu que c'est le 63. On va le laisser là. Hop, on va aller chercher le pick-up qu'on va mettre derrière, comme ça je vais pouvoir repartir à faire autre chose. Par contre, on voit que dans le... Nous voyons que dalle. Alors, lequel je mets devant? Je vais mettre, je vais prendre le tracteur, je vais mettre celui-ci derrière nous. Par contre, il faut que je mette. Donc, alors, c'est CTRL F. On va mettre moins que 20, plus que 25. Alors c'est contrôle. On met à combien? Allez, 50 pour être sûr. Alors, direction le 63 pour mettre du maïs dessus. Est-ce qu'il nous suit? Oui, il nous suit. C'est bon, il s'arrête juste pile poil. Donc du coup, comme c'est bon. On va se diriger vers le 63. Donc normalement je sais par où aller. Ce qui est bien avec une carte assez grande comme ça, c'est qu'au moins les véhicules sont séparés, il n'y a pas trop de véhicules au même endroit. Hop. Est-ce qu'il sera pas bloqué? Il s'est pris le poteau. Bah, forcément, il se prend le poteau, donc voilà. Quand même. Hop, merde, c'est pas ça que je voulais. Donc à moi de conduire correctement. Hop. Donc normalement on doit tourner bientôt. Je crois que c'est avant l'arbre là-bas au fond qu'on voit. On doit dire là. Ici.
Hop. Allez. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser celui-ci en automatique dans le champ. Et puis nous, tant qu'on sera à côté des cochons, à la limite, on pourra aller les nourrir. Alors faut pas que j'oublie de tourner. Oh, j'ai loupé. Non, c'est après. Bah non, j'ai loupé. Bon bah écoutez, on va prendre la route. Hein. En même temps, quand il fait nuit, on voit que dalle. Vas-y. C'est pour ça que j'avais enlevé au début. Oh, et puis ils vont tellement vite. Alors, on va faire un truc. Voilà. Putain, c'est pas possible. On va les laisser passer. Putain. Voilà. C'est bon? Vous avez fini de m'emmerder? Bon. Oh, c'est pas vrai. Putain, mais ils sont chiants. Ah bah c'est là qui arrive. Bon. C'est lui hein, qui me suit là. Voilà. Voilà, il est derrière nous. Bon. Comme ça, s'il y a des voitures, on les laisse passer et après on passe. Par contre, je sais plus par où il faut que je tourne. Ici. Et après, normalement. Donc les cochons, ça va être quelque part là. Voilà. Donc moi, celui-là, je le laisse là. Ah. Ah non, c'est ça. Hop. Du coup. On va mettre ceci en automatique. Avec l'AI extension. Bon. Bon, à mon avis, il va s'arrêter à tous les je sais pas combien de temps. La carte, j'en ai pas besoin. Et tant qu'on est au cochon, tiens, on va aller les nourrir. Hop. Alors, contrôle H. Jusqu'à l'an des bons.
On va faire H. Nous, on descend du tracteur. On le laisse travailler tranquillement sur le champ. Et puis voilà. Donc on va récupérer notre voiture qui est là. Par contre, comme il fait vraiment nuit, ben on voit que dalle. Bon, ça c'est comme ça. Ce que je ferai, c'est que à la limite, l'épisode cet après-midi, je le ferai dans l'après-midi vers 14h. Je le tournerai vers 14h, comme ça il fera à peu près jour. Parce que là, laisse tomber quand même. On voit vraiment que dalle. Bon, je vais me mettre là. Off. Hop. Donc on va aller mettre de l'eau déjà au cochon. Alors, bon, moi je préfère. Je pense que le fumier c'est plus facile à. Alors soit il faut. Bon bah ça commence déjà bien. Normalement le champ est juste derrière. Il faut juste trouver le tracteur, mais je crois qu'il est là-bas. Alors il a dû se planter dans un arbre ou dans une connerie. Comme d'habitude. Alors, je crois que je vais commencer par un pré-détourage pour être tranquille. Et après, on le lancera en automatique. Non, c'est pas la masse que je voulais baisser. Là j'ai mis en vario, donc normalement qu'on mette la première ou la deuxième, c'est pareil. Hop. On rebaisse. Donc je vais faire un pré-détourage. Comme ça, on sera paré. Après, pour lancer en automatique. C'est quoi qui me prend de la. J'ai des lags, il y en a quoi? Hop. Allez, hop. On va se mettre nous. Comme on peut, donc on va faire un détourage et puis après on lancera automatique pour qu'il fasse lui son truc tranquillement. Je pense que les lags c'est la connexion. Hop. Après, je sais pas si je veux. Je vais pas diminuer un peu le air track. Je crois que je suis à 3, je vais mettre à 2. À 2,5 ou. Ah, oui. On va faire marche avant, marche arrière. On va se recaler correctement. Hop. On va rebaisser ça. Bon, c'est pas grave s'il manque un petit bout au bout, hein. L'important c'est de semer la majeure partie du champ. Qu'est-ce que ça va nous rapporter en récolte, franchement?
Ça peut plus être bien. Alors j'ai manqué le coche pour la pomme de terre, j'ai manqué pour l'avoine. Qu'est-ce que j'ai manqué encore? Donc là je peux faire le soja, maïs, pomme de terre c'est râpé, tournesol c'est râpé aussi, sauf qu'on pourra le faire fin printemps. Fin automne. On peut le faire le fin automne pour le récolter. Début d'automne prochain. Donc on va faire ça comme ça. Blé, orge, c'est fait. L'avoine, j'ai loupé le coche, donc bah, tant pis pour ce champ-là. Colza, on peut encore. C'est en fin d'été, début printemps, donc on a le temps. Donc je pourrais encore faire le tournesol, le colza. Et puis c'est tout. La pomme de terre et le tournesol, bah, tant pis. Prochaine fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Là, j'ai encore assez de stockage pour là où j'ai besoin d'avoine ou de tournesol. Donc, par contre, celui-ci, prochaine fois que je rentre à la maison. Direction, remplissage du réservoir d'essence. Est-ce qu'il a soif, le petit coco? Il a envie de boire, là. Marche arrière. Hop, on va rebaisser tout ça. Hop. Donc le serveur avance pas mal. Je pense qu'il faudra aux prochaines pousses mettre un coup de d'herbicide pour éviter qu'il y ait de la mauvaise herbe qui pousse pendant la période de semis, pendant la période de croissance. Comme ça, on n'en aura pas. Et puis, quand on aura le temps aussi, faire les coups de pluie sur nos champs. Pour qu'ils soient à fond au niveau des fertilisations. Normalement, tout ce qui est des labours, c'est bon. Tout ce qui est chaud, c'est bon aussi. Ce qui va pas, c'est surtout. Bon, on va pouvoir le lancer en automatique sans qu'il nous embête et sans qu'il s'arrête. Donc, on fait. Tac. Voilà. Il calcule le champ, il part. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le libère et puis on le laisse travailler tranquillement. Et en attendant. On passe par là. Donc j'ai mis de l'eau, je crois, au. Donc, je vais sortir. Pour mettre de la paille. À nos cochons. Par contre, faut que je fasse gaffe à voir combien on a. Voilà, il y en a. Il y a un grand nombre. Hein. Je sais pas s'ils peuvent mourir vraiment. Hop. Allez, on leur met un peu de paille. Ensuite, on ira remettre de la paille. Donc, on va remplir de paille la remorque. Je mets quasiment la moitié d'une remorque à chaque fois. Alors. Tac, paille. Une fois que c'est plein, on coupe tout ça.
On éteint le moteur. On éteint les feux. Je laisse le tracteur là, je le rentrerai ce soir. Par contre, ici, au niveau fumier, il y a quand même un bon stock. Alors, ce tas-là, il marche par rapport au tas des vaches. Mais je comprends pas pourquoi celui des vaches, il prend pas en compte les collisions. Et je comprends pas pourquoi. Parce que là, il y a la même collision entre celui-ci. Entre celui-ci et celui des vaches. Mais celui des vaches, il déborde en fait. Ça dépasse des côtés. Donc c'est un peu chiant, quoi. Mais bon. Mais là, ça dépasse pas. Il y a juste un filet qu'on voit, mais c'est rien, c'est moins grave que les vaches. D'ailleurs, si on y va, on va peut-être y aller, tiens, pour voir comment c'est. Et pourtant, j'ai beau refaire, éloigner les points de spawn du fumier. Ici, étant que je fais des tours aussi. J'éloigne l'arrivage des tas par rapport au voilà par rapport au mur du silo ben de la fumière, mais ça fait toujours pareil. Donc je sais pas pourquoi ça le fait. Normalement ça devrait pas ça c'est mon chance qui a poussé. Peut-être éviter d'aller dedans. Je suis toujours un peu perdu. Non, c'est ça en fait. Il faut que j'aille par là. Et là, tu t'es encore arrêté. Chier, sérieux. Aïe. Oh merde! Donc il faut que je retourne au champ. Je crois que je vais faire ça. Eh bah oui, ça je sais, mais ça c'est pas grave, ça, moi je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que le travail soit fait. Non, il est où? Il est encore là-bas. Purée. Comprends pas ce que je lui dis ou quoi? Toujours au même endroit qui se plante, mais ça va 2 minutes quoi. Toujours pareil avec les automatiques. Non, c'est pas compliqué de suivre des lignes. Allez. Non mais... Et t'as intérêt de bosser, hein, et correctement, s'il te plaît. Bon, je pense qu'on va pas... D'ailleurs, j'ai laissé où mon pick-up, il doit être là-bas, je pense.
Bon. Il s'arrête pas, c'est bon. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aux vaches, tiens. Je comprends pas pourquoi ça le fait ça, pourquoi ça dépasse du temps en fait au niveau des vaches. Ou alors peut-être récupérer la fumière des cochons. Je me demande si c'est pas déjà ça que j'ai fait. Je crois pas, mais ce qui m'interpelle, c'est pourquoi ça fait ça, quoi. Je suis en train de me perdre en plus. Là, on est où là? Ouais, je suis réellement en train de me perdre. Au pire, je passe par le 19. Hein. Par le chemin là. Ici. Là. Comme ça, on va rattraper. Après, on prend la gauche. Ici. Ouais, il prend toujours. Donc c'est bon, il avance. Une petite sauvegarde. Donc là, l'éclairage chez la fabrique, je pense qu'il est derrière. Hop. Et donc, pour aller aux vaches, donc on laisse le champ ici de côté. Et un peu plus loin, on doit voir la montée pour aller aux vaches. Ici. Hop là. Donc ça, je vais. Oh. Ça, c'était un camion. Moi qui laisse traîner mes affaires. Non, c'est juste ça, c'est pour que je puisse vider. J'avais mis en œuvre un truc pour vider le fumier. Du coup, la fumière, on va se mettre là. Et comme ça. Hop, du coup. De ce côté-ci, ça se voit plus. Là, on est dans le silo. Mais. Il y a un petit mais, ça sort dehors. Alors, je sais pas pourquoi. Ça faisait pareil une fois que j'ai mis le mode saison sur paysage du moulin Midland. Je sais pas pourquoi ça le fait d'un coup comme ça quoi. Ou alors ce qu'il faut que je fasse c'est que je récupère le. Parce qu'en fait jusqu'à là ça va bien. On voit de ici à là ça va bien. Jusqu'à là, là. Et puis après ben, ça déborde. Donc ça peut déborder jusqu'à toute la longueur. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc ça me m'énerve un petit peu. Alors ou bien je récupère la fumière qui est fonctionnelle sur le bâtiment des cochons. Donc je fais la même implémentation que celui-là. Je fais juste une copie d'un vers l'autre. En faisant une importation sur Giant quoi, mais au niveau
du plaçable, hein. C'est un plaçable ici pour les vaches. Donc voilà, à voir, je verrai ce que je fais. Donc en attendant, bah, moi je vais vous dire à tout à l'heure en début d'après-midi, on va se faire un petit épisode. Voilà, donc du coup on se dit à tout à l'heure, donc en début d'après-midi, allez à tout à l'heure.